Je m'appelle Théo, je suis étudiant en BTS Com en deuxième année au lycée Bertrand d'Argentré à Vitré et je suis aussi en alternance chez CCL Construction, une entreprise de construction bois à Saint-Méré. Je m'appelle Inès, je suis étudiante en deuxième année de BTS Communication au lycée Bertrand d'Argentré à Vitré et je suis en alternance au dojo vitréen. J'ai pu avoir mon stage par le biais de LinkedIn, donc j'avais postulé pour du coup l'entreprise CCL Construction qui avait fait une offre sur LinkedIn et j'ai répondu, j'ai fait des entretiens, ça s'est bien passé et du coup j'ai pu introduire l'entreprise. J'ai trouvé mon alternance grâce à une connaissance qui m'a permis de rencontrer le président du dojo vitréen. J'ai fait un entretien et à la suite ma candidature a été validée. Alors moi en alternance, je bosse sur de la com externe, je fais des fiches techniques, j'aide à améliorer les dossiers d'appel d'offres, mais je fais aussi de la com en interne, c'est-à-dire que je fais par exemple un journal d'entreprise et plein de supports pour faciliter la communication au sein de l'entreprise. Je dois valider des compétences pour mon examen du BTS. J'ai des missions en communication, donc je vais faire du print, du digital et de l'événementiel, et j'ai aussi des compétences commerciales. Alors pour notre rythme en classe, on est 3 jours par semaine, donc le lundi, le mardi et le vendredi. Et en ce qui concerne l'entreprise, on est le mercredi et le jeudi et aussi les vacances scolaires. Je bosse mes cours le soir, je révise un peu, je fais les leçons qui sont demandées. Le mercredi et le jeudi, c'est vraiment une concentration que sur l'alternance, sur les projets qu'on me demande de réaliser en 2 jours. Le vendredi, je reviens en cours et là par contre, c'est un échange avec mes camarades parce que j'ai besoin d'aide par rapport aux cours que j'ai manqué le mercredi et le jeudi et moi je peux leur proposer mon aide concernant les projets au vu de ce que je réalise en entreprise. J'ai intégré ma classe l'année dernière en première année et cette année c'est la même. L'ambiance c'est cool et j'ai le même groupe de potes. Bah pour ma part ça s'est passé plutôt bien, enfin, je me suis bien intégré au sein de la classe, je m'entends bien avec tout le monde. Et puis du coup on a remarqué avec Inès que ça nous a apporté une certaine maturité depuis le début de l'année et c'est plutôt cool pour équilibrer un peu la classe. Donc je pense qu'en premier, le premier avantage qu'on peut retenir, c'est qu'on peut créer un réseau. Ça casse aussi le rythme, au final, ça casse le rythme des cours sur une semaine complète. Ça nous permet de dynamiser un peu plus la semaine et puis la rémunération aussi, finalement, qui est assez intéressante. Pour moi, les avantages de l'alternance, c'est l'ouverture dans le monde professionnel. Ça m'a créé ma première expérience en alternance et je veux continuer mes études, donc j'espère pouvoir trouver une alternance facilement. Et le deuxième avantage pour moi, c'est le fait que mes projets soient réels et concrets. Alors oui, c'est possible de le faire. Moi, je l'ai fait au début de mon cursus. Après, c'est pas vraiment quelque chose que je recommande parce que ça accélère beaucoup le rythme de la semaine. Et puis, ça peut empêcher de faire certains hobbies ou choses comme ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la rémunération, elle se fait en fonction de l'âge. Donc, en fait, il y a une grille salariale qui est différente. Et moi, étant donné que j'ai 23 ans, du coup, je suis rémunéré un peu plus de 1000 euros par mois. Étant donné que j'ai 19 ans, ma grille salariale, elle est un peu moins élevée que Théo. Moi, je gagne 887 euros par mois. Alors, pour moi, un bon alternant, il doit être curieux, créatif, autonome et il doit savoir s'adapter dans son milieu professionnel. Alors pour moi, le profil idéal serait quelqu'un qui a de l'imagination, quelqu'un qui est dynamique et qui aime bien aller vers les autres. Il faut surtout beaucoup aimer aller voir les gens, demander ce qu'ils en pensent, etc. Et aussi savoir s'organiser au final, même si c'est pas physiquement, c'est savoir s'organiser dans sa semaine, dans son emploi du temps, pour rester toujours opérationnel et répondre aux besoins des professeurs comme de son employeur.